fonctionnaire. Ah non, vous ne touchez pas à ce secrétaire. Non, c'est un souvenir de mon mari. Non, non, non. Elle est jolie, la France. Les veuves et les orphelins sont bien défendus. Bravo, bravo, bravo. Non, Zelda, vous ne partez pas. Je vous promets que d'ici 8 jours, je pourrai vous payer, Zelda. Solange, tu es rentrée, mais... C'est ma cheville. À ma première descente. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu déménages? Non, j'ai juste vendu quelques meubles. On ne pouvait plus bouger ici. Tu appelles ça quelques meubles? Je les avais achetés avec Jean-Edouard. Il me rappelait trop de souvenirs. Dis donc, pour ta cheville, c'est pas de chance. Hein, comme tu dis, pour une fois que mon ex me ferait les sports d'hiver. En plus, je m'étais arrangée pour descendre dans le même hôtel que Serge Dumoulin-Bernier. Tu sais qu'il me fait une cour à peine discrète. Le fils Bernier? Non, le père. Le père? Mais il est très âgé. Tu ne l'as pas vu depuis son dernier lifting. On lui donne à peine 70 ans. Non, ce qui m'inquiète, c'est que je l'ai laissé tout seul là-bas. Et ce genre d'homme veuf, riche, généreux et amoureux, se fait de plus en plus rare. Tout n'est peut-être pas perdu. Avec ma cheville, j'en ai bien encore pour un mois. Oui, et à cet âge-là, ils sont pressés. Ah, la fille, la vie se fait de plus en plus dure, Isabelle. Ah, à qui le dis-tu? Il s'en passe des choses. D'abord ce camion de déménagement, ensuite Solange avec ses cannes. C'est grave? La cheville, non. Mais c'est mon avenir qui me donne du souci. Vous ne déménagez pas, Isabelle? Non, j'ai vendu quelques meubles. Je vous raconterai ça plus tard. Paul, pouvons-nous remettre notre partie de dame à demain? J'attends mon frère. Bien sûr. Mais c'est dommage. Je me sentais en pleine forme ce soir. Dis-moi, Isabelle, ce n'est pas Zelda que j'ai vu partir avec une valise? Je lui ai donné congé. Elle va me manquer. Veux-tu que j'essaie de trouver quelqu'un en parlant dans le quartier? Non, pas pour le moment. Et puis, à propos de parler, je préférerais que tu ne racontes pas que j'ai vendu des meubles. Isabelle, tu me connais. C'est pourquoi je te le demande. Cette pièce vide me rappelle la vente de mon château. J'ai fait une dernière fois le tour de toutes les salles vides. Je suis monté dans ma voiture. Un dernier regard dans le rétroviseur. Et j'ai vu le château disparaître dans mon passé. Bon, vous n'êtes pas gai ce soir, Paul. En plus, il fait froid ici. Ma chaudière est en panne. Bon, je vais rentrer. Paul, pouvez-vous m'aider à traverser l'avenue? Si tu veux en profiter pendant que c'est vide pour repeindre, je connais un décorateur génial. Doucement, Solange. Si je tombe, je risque de me casser quelque chose. Vous ne m'avez pas demandé comment ça m'était arrivé. Bien sûr. Et comment ça vous est arrivé? Eh bien, il y avait du brouillard sur la piste. Oh, ma petite Hélène! Tu ne m'attendais pas. Tu n'as pas reçu ma lettre? Je n'ouvre plus ma boîte aux lettres depuis 2 mois. Elle est bourrée de factures. Mais pourquoi entres-tu toujours par le service? J'ai toujours aimé les petites portes. Mais où sont tes meubles? Mais Hélène, c'est affreux. On vient de me saisir. Tu as des ennuis d'argent? Oui, depuis le décès de Jean-Edouard, ça n'a pas arrêté. C'est d'abord le quai d'Orsay qui m'a supprimé les frais de fonctionnement et de représentation, la voiture, le chauffeur. Ensuite, m'est tombée dessus une avalanche de factures. J'ai dû vendre la maison de Dampierre. Mal d'ailleurs. Mais tu ne touches pas la retraite de Jean-Edouard? Oui, mais
comme son ex-femme en prend la moitié pour élever leur fils, il me reste juste de quoi payer le minimum. 1 300 € à peine. Tu pourrais vivre avec ça, toi? Oh, dans mon couvent à Sainte-Pauline, nous vivons avec beaucoup moins. Mais forcément, mais vous, vous ne recevez jamais. Et puis pour vous, la mode ne change pas tous les ans. Ah, c'est un fait. J'ai dû payer. J'ai payé mes bottes hier, 300 €. On ne peut quand même pas aller pieds nus. Oh, ça y est, ça recommence. J'étais tranquille quand il était coupé. Imite Zelda, s'il te plaît, je ne suis pas là. Je t'en supplie. Mais Isabelle, je ne sais pas imiter Zelda. Imite qui tu veux, mais je t'en supplie. Espagnol, c'est une... Oui, oui, oui. C'est de la part des qui? Les directeurs de la Société Générale. Non, la madame, elle n'est pas là. Il ne sait pas. Au revoir. Tu dois de l'argent à ta banque? Ta porte est grande ouverte. Oh, mais il fait un froid de canard ici. Oh, Hélène! Mais je ne savais pas que tu étais à Paris. Je suis venue me faire soigner les dents. Charles! Oui? Tu as vu ce qu'ils ont osé me faire? Oui. Je t'assure que j'ai tout essayé. Même Rousseau n'a rien pu faire. Ce n'est quand même pas la première fois qu'on étoufferait une affaire. Une grosse affaire, oui, mais une saisie. Mais crois-moi, je ne me suis pas laissé faire. Je leur ai dit que tu étais commissaire divisionnaire de police et que donc... Tu n'aurais pas dû. Pourquoi aussi m'appelles-tu toujours quand c'est trop tard? Parce que il faut bien que je me débrouille toute seule. Il y a un mois, c'était cette affaire de chèque. Oh. Une erreur de soustraction. La signora, elle n'est pas là. Il ne sait pas. Et il est bien lui dire. La BNP. Ça lui rend service que je dise qu'elle n'est pas là. Avec l'accent espagnol? C'est ma sœur. C'est aussi la mienne. N'empêche que si elle refuse de changer de train de vie, elle va droit à la catastrophe. Mais qu'est-ce que c'est? Une vieille facture. Une facture de quoi? Une veste de vison noir achetée pour l'enterrement. Il fait si froid dans ces cimetières. J'avais un peu traîné pour payer et puis... Maintenant, il parle de la saisir. Alors, rends-la. Je ne peux pas. Je l'ai revendue. Pour payer l'amende. Quelle amende? J'avais oublié de déclarer au fisc la vente de la maison de Dampierre. Mais tu ne m'avais pas dit. Tu as vendu Dampierre? Mais est-ce que tu réalises dans quelle situation tu te trouves? Oui, je suis dans une mauvaise passe. Mais il faut me laisser un peu de temps. Je vais trouver un travail. Ou alors je me remettrai sérieusement à la peinture. J'ai fait 2 ans de beaux-arts. J'avais un certain talent, tu sais. C'est vrai qu'elle a du talent. Mère Bernadette dit toujours que le bouquet de fleurs accroché dans ma chambre est si réussi qu'il embrouille. On pourrait peut-être parler peinture un autre jour. Je préférerais qu'on parle de ton loyer. Tu ne le trouves pas un peu trop cher? Cher? 1 700 € par mois? 1 700 €? Mais oui, mais pour un hôtel particulier en bordure du bois de Boulogne, c'est une affaire exceptionnelle. Oui, mais hors de tes moyens, Isabelle. Et je persiste à dire que tu dois déménager. Partir d'ici? Jamais. J'ai ici vécu les plus belles années de ma vie. J'y ai tous mes souvenirs. Le bois en face, Solange-Paul à 2 pas, mais je ne pourrai jamais partir. Je préférerais mourir. Mais je suis sûr qu'avec 400 €, tu pourrais trouver quelque chose de très très bien. Un studio avec 2 plaques chauffantes. Et une douchette dans un placard à balai. Alors, remarie-toi. Ah, mais si tu crois que c'est simple. Ce François d'Arroise,
Il est toujours en poste dans son ambassade? Où en êtes-vous? Nulle part. Il m'a toujours fait une cour discrète, mais... de là à m'épouser. Eh bien, peut-être que tu devrais l'encourager un peu plus, parce que 1700 euros par mois... Écoute, Charles, c'est dans les situations les plus désespérées que j'ai le plus de ressources. Je te le souhaite. Bon, je te raccompagne, Hélène. Oui, à Montparnasse, si tu veux bien. Mère Bernadette m'attend à la gare de Rambouillet. On te revoit quand? Oh, tous les mardis et tous les vendredis. J'en ai pour 6 mois de soins chez le dentiste. Oh. Passe me voir après tes séances. Et si je suis en retard, tu sais où se trouve la clé. Sous la troisième marche. Mais tu continues de refuser de t'habiller en civil. Oh, plus que jamais, je trouve que les traditions se perdent de plus en plus. Et puis on ne change pas ses habitudes comme ça. Ah, qu'il dis-tu? Je crains qu'un jour, Isabelle, tu ne sois obligée de reconsidérer ta situation. Écoute, Charles, j'ai toujours eu beaucoup de chance. Pourquoi veux-tu que ça s'arrête? Tous les soirs, je ferai une prière pour toi. À Sainte Rita, alors. C'est la patronne des désespérés. Au revoir. Au revoir. Tina, je ne pensais pas que vous me reconnaîtriez. Cela fait si longtemps. Oubliez la star de la haute couture. Vous étiez partie depuis combien de temps, Tina? 6 ans. 8 ans. Vous avez disparu un beau jour, emmenée par un Brésilien. Oui, et c'est à Rio, par des amis, que j'ai appris votre deuil. Oui, je suis seule, Tina, depuis 1 an. Mais vous êtes rentrée quand? Il me semble qu'autrefois, on se tutoyait. Oui, bien sûr. Alors, raconte-moi. Eh bien, pour des raisons que je te raconterai plus tard, j'ai dû quitter Rio et je suis arrivée avant-hier. Le printemps brésilien ne m'a pas suivie. Ah, mais on gèle à Paris. J'ai essayé de te joindre au téléphone, mais j'avais un disque. Il était en dérangement. On ne me l'a remis que ce matin. Ah, je mène une vie en ce moment, regarde! Tu ne déménages pas au moins? Non, non. J'aime changer les meubles de place. J'allais justement me faire un peu de thé. Tu en prendras bien une tasse avec moi? Bien volontiers. Alors, je veux que tu me racontes ce que tu as fait depuis 8 ans. Alors, il y en a pour toute la nuit. Ça ne fait rien, j'ai tout mon temps maintenant. Hélas. C'est moi. Je crois que j'ai trouvé. Thank you.
Allô, Solange. Je terminais un tableau, mais j'arrive. Je suis prête. Oui, je t'apporte des cubes de glace. Dis, Solange, tu ne sais pas ce qui m'arrive. François Darroise, tu sais, l'attaché d'ambassade. Eh bien, il m'a téléphoné. Ça ne te dérange pas de mettre un couvert de plus? Oui, pas mal, tu verras. Dès que mon frère et Tina sont là, on arrive. Isabelle, comme je suis heureux. Moi aussi, François. Excusez-moi, c'est du trichloréthylène compensé. Je viens à peine de me tacher les mains en terminant un tableau. Un tableau peint par vous? Mais j'ignorais ce talent, c'est... C'est surprenant. Oui, c'est ce que tout le monde dit, mais comme je les vends... Vous les vendez? Très bien, même. Et comment est-ce possible? Grâce à Tina. Tina? Tina, oui. Ce mannequin très connu dans les années 80. On ne voyait qu'elle sur tous les magazines. Oh, mais il faut que je vous raconte ce qui m'arrive. Un vrai conte de fées. J'étais, il y a un mois, sur le plan financier, dans une situation très délicate. J'étais presque décidée à déménager. Quand un soir, la belle Tina entre chez moi. Nous ne nous étions pas vus depuis 8 ans. Elle me raconte sa vie à Rio, et comme là-bas, elle était mariée à un grand marchand de tableaux, forcément, on parle peinture. Elle me demande si j'ai continué à peindre, et je lui explique que je n'ai pas touché un pinceau depuis 20 ans. Elle insiste pour voir mes premières toiles. Je l'emmène au grenier, et là, devant la plus grande, la première, elle se tait pendant plusieurs minutes. Impressionnant. Elle regarde toutes les autres toiles dans un silence de cathédrale. Elle me demande d'emporter 2 toiles avec elle, et le lendemain, elle revient sans les toiles, mais avec un chèque de 15 000 euros. 15 000? Oui. Elle reprend 3 autres toiles et en une semaine, elle m'avait rapporté une telle somme que j'ai pu faire revenir mes meubles. C'est incroyable. Moi-même, je n'en suis pas revenue. Oh. Mais assez parlé de moi. Vous êtes à Paris pour combien de temps? Isabelle, c'est un saut semi-officiel. 3 ans loin de Paris, je n'en pouvais plus. Je repars dans 10 jours, mais en avril prochain, je reviens définitivement pour terminer ma carrière au Quai d'Orsay. Oh, mais c'est une excellente nouvelle! Et où habiterez-vous? Je ne sais pas encore, et il paraît que se loger à Paris est devenu très cher. Oui, ça ne baisse pas. Mais bon, je ne me fais aucun souci pour vous. Un homme tel que vous ne peut pas avoir de problème de logement très longtemps. Ça, Isabelle, c'est vous qui le dites, hein. Et vous, parfois, vous ne songeriez pas à refaire votre vie? Oui, il est vrai que certains soirs, le silence est un peu pesant. C'est vrai qu'on se croirait à la campagne ici, on n'entend rien. Que les oiseaux le matin. En plus, l'exposition a l'air très bonne. Sud-est, sud-ouest. J'ai le soleil toute la journée. Et l'hiver, je ne brûle que 20 000 euros de fioul. C'est raisonnable. Et... pour les voitures, on trouve des places facilement. Mais il y a un garage, vous voulez le voir? Non, 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 Isabelle, une autre fois. Voyez-vous, Isabelle, dans l'avion qui me ramenait en France, j'ai beaucoup réfléchi et beaucoup pensé à vous.
Et ce soir, j'étais venu avec l'intention de vous demander si vous accepteriez de m'épouser. François ! J'espère, Isabelle, que je ne voudrais pas choquer. D'ailleurs, je ne vous demande pas une réponse tout de suite, mais en avril prochain, quand je reviendrai, vous me direz ce que vous avez décidé. En attendant, Isabelle, veuillez vous considérer comme n'étant plus seule. Oh, François, les mots me manquent. Mon projet après vous avoir fait cette demande était de vous emmener dîner chez Maxime. Oh, ça aurait été avec une grande joie, François. Mais ce soir, c'est vous qui venez avec moi. Nous sommes tous attendus chez Solange. Elle tient absolument à fêter chez elle ma réussite. Oh, quand je vais leur annoncer la nouvelle. Oh, parce que vous permettez que je leur dise. Ah, mais Isabelle, c'est moi qui vous le demande. Oh, excusez-moi. Le téléphone. Allô, oui ? Oui ? Mes respects, monsieur le ministre. Comment ? Et c'est arrivé quand ? Ah oui, c'est grave. Mais de Granville est sur place, il pourrait peut-être... Non. Oui, je venais juste d'arriver. Comptez sur moi, monsieur le ministre. Un avion à Villacoublay ? 22 heures, j'y serai. Mes respects, monsieur le ministre. Vous avez entendu ? C'est tout de même terrible de ne pas pouvoir passer une soirée tranquille. Mais ne me dites pas qu'il faut que vous repartiez. Hélas, si, Isabelle, il y a une crise très grave qui se prépare. Il faut que je regagne l'ambassade cette nuit. Oh, quel dommage ! Moi qui voulais vous présenter à tout le monde. Oui, et moi qui espérais ce soir, enfin... Hein. Vous voyez ? Oui, très bien, très bien. Et qui avait encore tellement de choses à vous dire. Oh, moi aussi, François, moi aussi. Ça sera pour avril. Au revoir, Isabelle. Je ne suis pas en retard. Isabelle, c'est merveilleux. Je n'osais pas l'espérer. Tu accroches le marché japonais. Ta cote monte, Isabelle. C'est extraordinaire. Oh, c'est merveilleux, mais comment est-ce possible? Ça, tu sais, avec la peinture, il paraît que tu possèdes quelque chose de très rare. Dans la projection des vibrations et des couleurs, il y a du cosmique dans la structure. Tu comprends ? Du cosmique dans la structure ? Mais comment je peux faire ça ? L'instinct, Isabelle, l'instinct. Continue et ne cherche pas à comprendre. Oh, c'était bien mon intention. Tu ne veux toujours pas me dire quelle est cette galerie qui m'expose à Amsterdam ? Sûrement pas. Je ne tiens pas à me faire souffler ma poule aux œufs d'or. Dans quelques mois, quand tu auras produit d'autres toiles, j'organiserai une grande exposition à Paris, avec la presse et la télévision. Je te fais totalement confiance pour la suite des événements. Tout ça est tellement inespéré. Ne te fais aucun souci. Sur le plan des affaires, j'ai toujours eu beaucoup de chance. Ah, si je pouvais en dire autant pour le reste. Tu as des ennuis ? Oh, n'en parlons pas, veux-tu ? Oh, Tina, je croyais que nous étions amies. Alors, promets-moi le secret. Tu es amoureuse ? Oui. Et il est marié ? Pire que ça, marié à son pays. Un homme politique ? Un membre du Congrès américain. Un Texan milliardaire. Un démocrate ? Ce serait trop simple. Non, en plus, il est républicain et possible futur candidat de son parti à la prochaine élection présidentielle. Non ! Si ! Nous sommes fous l'un de l'autre. Mais tu connais les États-Unis. Si ça se sait, c'est le scandale, le divorce, des sommes astronomiques pour sa femme et sa carrière politique foutue. C'est le bras droit de l'ambassadeur des États-Unis à Paris. Tu vois, il est en poste ici pour un an.